De l'autre côté de la rive, renoncer au Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne te reconnais plus dans ça. Amen. Quelle est l'action qui a été faite pour que tu ne te reconnais plus? Pour que quelqu'un vienne t'aider à quitter. Et la manière de délivrance, c'est quelqu'un toujours qui vient te faire sortir. Sinon, toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Je me suis moi-même délivré, ce n'est pas possible. À moins que peut-être tu te fasses la grâce. Sinon, Jésus même a dit, déliez-le. Il a dit à ses disciples, Lazare qui vient de se réveiller là, ressuscité là, déliez-le. Et laissez-le aller. Dieu te mettra sur le chemin de quelqu'un pour te délivrer. Amen. 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 Et tu as l'impression que c'est une maladie bizarre. La maladie héréditaire, c'est une malédiction. Tu as l'impression que dans la famille, attention, mais toi, tu as attention. Et tu trouves ça normal. C'est dangereux. En tout cas, non, c'est un truc de famille. C'est pas normal. Ça doit s'arrêter comme nous. Pourquoi? Parce que Dieu met une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sait pas. Ils ont ça, ok. Mais toi, comme tu as Jésus, la chose s'arrête à ton niveau. C'est fini. Ça doit s'arrêter. Et eux-mêmes voient la chose. Ils voient que, ah, eux, ils ont des difficultés, mais toi, tu t'en sors. C'est sans dire que quelqu'un a eu l'évangile. Amen. C'est sans dire que quelqu'un a reçu l'évangile. C'est ça. Quelqu'un a reçu l'évangile. C'est ce témoignage-là qui va les attirer vers Jésus. Vous prenez, vous avez les mêmes problèmes. On vous suce comme l'homme nous dit, on vous jette. Vous savez, ils viennent. Vous savez, lui-même, il est dangereux. Il est suce même. Quand il mange, c'est qu'il est dedans. Il te gêne. Nous, ça, c'est dangereux. L'homme lui dit, quelqu'un te prend ici, te suce. Quelqu'un te prend ici, te suce. Tu as gagné qui? Même moi, il va te prendre. Et tous les quartiers t'as visité. Hein? Et tu le monde t'a connu, il te prend pourquoi? Je suis malade ou bien? Amen. Mais oui, je ne suis pas malade. Avant de prendre, j'ai rien bien. Ouais. Mais on ne prend pas comme ça pour aller marier, pas comme l'homme nous dit. Je suis. Elle est convertie, mais ils m'ont fout de ça. Amen. C'est un témoignage qui m'intéresse. Amen. Amen. Donc tu constates que tout le monde est bizarre dans la famille. Pas de mariage. Non, je suis gêné. C'est pas ton expérience. Mais il faut que tu te lèves, aller chez un spécialiste. Pour te faire délivrer. Bah, si tu es dans le Seigneur, tu dois te marier. Tu es condamné à la bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction doit être ton partage. Amen. Parce que tu n'as pas été marié, tu as envie de te marier, ok, Dieu va te donner ça. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas les gens bizarres. Hein. Toi-même, tu disais que le cœur ne désire pas ça. Monsieur, pardon. Même si tu as envie de te marier, et là, comment tu es? Oh. Ah, il y a des gens même là, ils sont chauds. Toi-même, tu es convaincu que c'est pas ça. Oui, hein? Dieu te donnera ce que ton cœur. C'est pas péché. Amen. Quand tu rentres dans un boutique ou dans la chemise, c'est pas ce que tu veux qu'il paye. Si c'est cher, tu tords. Ben, tu ne peux pas payer ce qui est moins cher qui n'est pas bon pour toi. Oui, hein? Dieu a créé les yeux, l'intelligence. Pour nous aider à discerner les choses. C'est ce que tu aimes que tu payes. Non, ce qui est sûr. C'est ce que je veux là. Je prends. Là, je sais que j'ai aimé la chose. Amen. Amen. Je me marie parce que j'ai aimé. C'est sa famille fatigue, mais j'ai aimé ça quand même. Non, il a mis de me marier. Puis un gars bizarre. Il est bancal. Après ça, je suis plus. C'est mon lit ici et c'est mon lit ici. Il a tambour ici. Il est camarade de Tokro. Faisez les Tokro là. Il va habiller. Écoute ça, ils sont là pour. C'est 25 francs, c'est pas beaucoup. On est là, on va plus maintenant. Quand il passe dans les quartiers. Camarade de Tokro, il est toujours en train de réparer col, chemise. Deux tampons ici.
ou bien sur le genou. La galère, c'est terrible, hein? Quand quelqu'un te parle à la galère, c'est col là. On a une langue de chat. Ça descend ici. Et Dieu nous aide. Non, mais tu le rates, tu sais que lui, là, il est possédé. J'ai marié, monsieur, tu es possédé. Ah non, ton mari est possédé. Toi, tu es possédé. Il y a deux, il y a possédé. Qui va devenir son camarade? Je vous dis, c'est ce que vous voulez là, que Dieu va vous donner. C'est tout. Dieu l'a magasin de mari. Il l'a magasin de femme. Amen. Donc, pressez pas. Comment tu dirais ton frère si ça veut ça? Qui ne savait pas, faut que tu te détends. Amen. On va dire non, c'est Dieu. C'est pas Dieu, pardon. Tu connais le mariage? Quand ça va chauffer là, tu as dit, moi, il n'était pas aimé. Ça va sortir de toi. Ensuite, tu as aimé, tu as supporté. C'est comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé. Mais c'est pas les frères de l'église ont dit de faire avec. Que je t'ai délivré après, à te délivrer. Et moi-même là, quelqu'un est délivré, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Ce qui est en toi, c'est des bonnes choses. Ça va attirer des bonnes choses. Amen. Ça va rejeter les mauvaises choses. Amen. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Dis amen. Amen. Vous savez que c'est important d'être délivré. Qu'on est délivré des bonnes choses. Qu'on n'est pas délivré, ça nous rattrape. Monte l'entreprise, ça va, mais ça va chuter. Ça va chuter. C'est pour cela qu'il faut aller doucement. Viens te faire délivrer pour entreprendre. Non, je n'ai pas bien géré. Ok. Appelle le bon gestionnaire, le meilleur comptable. Ça va chuter. Parce que dans ta famille, il y a une catégorie d'argent, une somme que vous ne devez pas avoir. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la pauvreté. Vous ne devez pas avoir. Quand cette somme, ça arrive à cette somme, tout chute. Tout chute. Ce qui t'arrive, quand ça arrive dans ta famille, tu regardes, pas d'avancer. Ça veut dire que c'est un truc familial, c'est dans la famille. Tu vas à l'église, ça ne suffit pas. Ce qui est dit aux hommes de Dieu, quand les gens viennent à l'église, délivrez-les. Amen. Je suis baptisé, ça veut rien dire. J'écoute la parole de Dieu, ça veut rien dire. Est-ce que tu es. Amen. Quand tu es délivré, c'est des bonnes choses derrière. Le diable peut rire. Quand tu n'es pas délivré, tu es exposé à toutes sortes d'attaques. Parce que tu es des gens vendus au diable. Tu vas beau gêner, prier, il va t'attaquer, il va t'avoir. Tu n'es pas de sa famille, mais il te mange. Un bon sens pour mal avec Achidji, Abodjama, la Bobodoumel. Et tu ne comprends pas. Pourtant, j'ai gêné. J'ai fait ma grille d'âme. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on est délivré? Est-ce qu'on a pris le soin de nous libérer? Est-ce qu'on a pris le soin de briser tout ça? Parce que quand on a Jésus, il y a des choses qui ne doivent plus arriver. Il y a des familles qu'on appelle, ce qu'on appelle la mort prématurée. C'est-à-dire la mort. Vous avez une catégorie de mort, série de mort. Un certain âge, d'autres, les gens meurent. Un certain âge, les gens meurent. Or, la longévité fait partie du christianisme, la bénédiction que Dieu donne. Amen. Amen. Donc, quand tu es dans cette famille, il faut que cette mort soit annulée. En venant vers l'homme de Dieu parle sur ta vie pour briser toutes sortes de malédictions. C'est comme ça. La pauvreté, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que là où il y a la pauvreté, il y a toutes sortes de péchés. Si tu n'as pas l'argent, un autre digui va t'embrasser. Tu n'as pas marié à checker, tu as faim, tu n'es pas gêné. Hein? Tu ne gênes pas, mais tu as faim. Moussa pousse autour. Madame, je dis, mais laisse-moi, hein, Moussa. Qui va te montrer un pied? Tu n'as pas voir un pied clair dedans. Tiens, tu peux avoir ton numéro. Tu as ton numéro. C'est bonjour, mais il t'a donné 10 000.
Quand le jour t'embrasse, peut-être va donner 50 000 francs. Je n'aime pas, mais il y a l'argent là-bas. Mahadou. Or, la pauvreté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est constamment dans les besoins. Un riche, c'est celui qui est comblé de bien. T'as envie de manger blagaya, tu manges. T'as envie de manger foufou, tu manges. Tu ne convoites pas, ton cœur ne brûle pas. Vous dites, hé, hey, ça là, pour ça, je vais manger ça. Hé, hey, hey, mon bon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Pas manquer, donc quand je passe au futur, quand je dis dans le présent, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il va te diriger près des eaux paisibles. Des bonnes choses qui vont arriver. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, tu vas traverser la sombre des difficultés, mais tu vas t'en sortir. Je n'ai crainte aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindues ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'appuie. Vous connaissez la Bible. Amen. La grâce et le bonheur m'accompagnent. Amen. Tous les jours. C'est pas un jour. Tous les jours, Marie. Ça doit m'accompagner. La grâce et le bonheur. C'est-à-dire la grâce, c'est quoi? Toi, tu dis, ah, tu ne mérites pas ça. Hein. C'est ça la grâce. Amen. C'est un don et vérité. Amen. Et les gens qui viennent te dire, non, j'ai envie de te donner l'argent. La grâce. Le bonheur, quand il frappe à la porte, ça marche. Il fait ça, ça va. La réunion de la vie, là, c'est Dieu, on est fait. Assis. Quand j'arrive, mon frère, en même temps. Quand il bouge, on ouvre les portes. On appelle ça la poisse, en Côte d'Ivoire. Le poisseux, le monsieur. Ah, c'est pas un mouchi. Comment tu sens ça? Ou chez les gens, ça me va bien. Là. Il te dit, mais peut-être qu'on n'y a pas mis de parfum. Peut-être parfum goudier. Jean-Paul Gaultier, masculin. Quand il met parfait la même langue, on est à Ouna. Vous connaissez parfait à Ouna? Ça peut tuer quelqu'un. Quand il met parfait, il s'accorde parfait à Ouna. Dégage! Vous connaissez ma religion? Mais ça, c'est terrible. Hein? Tu, toi-même, tu sens que tu as l'impression que les gens pensent que tu sens. Il y a un rejet. Tu n'as pas aimé. Le monsieur est content de toi, mais le jour où tu te couvres, tu sens. Et les gars, tu dis, mais. Pourquoi tu sens aujourd'hui? Ça peut tuer ça. Hein? Tu t'es mal lavé ou bien? On t'a dit, Kakaora. Poisson fumé, bizarre. Ah, Joba. Bizarre. Tu veux les payer au Javel. C'est quoi au Javel? Ce qui se passe là, c'est spirituel. Il y a des gens qui sont là, ils ne sentent pas leur odeur. Il y a un petit abigui. Et les gens sont fatigués qui viennent. Il prend bus. Tout le monde descendait assis contre eux. Il est seul dedans. On donne l'odeur. Il est dans bus, on est assis contre eux. Il va descendre. Quand tu as bus, on est assis contre eux. Je suis qui dans bus. Pousse, mon Dieu, monsieur, pousse un peu, pousse, tu me couilles. Lui, il est seul, on est assis contre eux. Il est content. Il va à l'université. Il pense que c'est Dieu qui l'a béni. Mais moi, il sent. Non, je dis là, il n'y a pas eu quelqu'un à côté de moi. Il ment. Il sent. Quel bon amphi. Tout le monde sort. Oui, quand il remarque. Même son parent lui dit, descends. Il prend parfum, il met dans son seau. C'est là et ça. C'est là, mais ça adore ça même. Vous connaissez? La sorcière est gâtée. Parfum va faire quoi ça?
Gauthier va faire quoi? Non, c'est Christian Dion à la maison mère de Christian Dion. Et il s'est fatigué. Il est là dans des églises, on met charbon, on met sang dessus lui. C'est là même, c'est grave. Tout le monde riait. Il sentait. On s'est rencontré pleurer tout le temps. Le professeur oublié de partir. Ça, il a du temps d'esprit. C'est quand il a eu la première année, deuxième année. Ah, ça a commencé. Le professeur me craint. Ça, les élèves sortent. Puis quand le professeur me regarde, puis il sort de là. Quand ça arrive à ce stade, c'est grave. Le professeur est venu me sortir. Ah, ok. Il n'est pas dans la salle, nous, on appartient. Le professeur est tout. Vous sortez. Ça vient en arrière, le professeur, lui-même, il sort. Le rejet. Jusqu'à ce qu'il vient vers nous, on nous bénit. Le rejet. Il y a des personnes qui te rejettent. Elle veut donner de ta vie. Au nom où ça doit aller. Ce n'est pas une seule fois. Plusieurs expériences. Il faut aller chez l'expert, il va te dire. Quand une entreprise ne va plus, on dit un expert comptable. On envoie. On n'a pas un comptable, hein. On a un expert. C'est lui qui vient faire les audits. Partez, c'est pas d'orgueil. Il y a des gens, eux sont experts dedans. Dans leur petite, leur prière seule, en une minute, ça peut te délivrer. Amen. C'est ça la prière d'Élisée. Il a regardé, il est allé vers la source des eaux. Il a pris, il l'a jeté. Il dit ainsi par l'Éternel. J'ai saigné ses eaux. Il n'en prouvera plus stérilité ni malheur. C'est fini et c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Jésus peut régler ton problème. Amen. Quand tu n'es pas délivré, c'est grave. Tu ne peux pas avancer. Et tu sens que quand tu dors, tu te vois nu. Vous voyez nu, c'est que l'esprit de pauvreté va vous toucher tout le temps. Dans ton sommeil, tu es ou bien tu es à Paris, ou bien à Londres, aux États-Unis, mais tu te vois dans nos rêves au village. J'ai l'impression que tu te vois toujours au village. Ça veut dire que tu as été enfermé au village. Tu es parti sec, mais ton âme enfermé au village. Ou tu te retrouves toujours dans la famille. Ça veut dire que les affaires sont fermées dans la famille. Amen. 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 Oh, quand tu n'es pas délivré de ça, tes enfants vont. Ça va les suivre. C'est une question de. Il faut que tu sois délivré. Délivrance, on ne réfléchit pas. On a convaincu qu'on est possédé. On est convaincu que ça va plus. Donc, on laisse pour. Et puis, on couvre. Jusqu'à être délivré. Puis, reprend les activités. Sinon, tu risques de mourir. Sous la malédiction. Mourir, ça a été. Je suis à l'église, ça ne dit rien aux esprits. Amen. Ça ne dira rien aux esprits. Au nom de Dieu, parle avec quelqu'un pour que la personne est délivrée. Amen. Qui vient délivrer ce matin? Amen. Qui vient délivrer? Il y a quelqu'un qui sera délivré. Il y a quelqu'un qui sera délivré. Qui croit ça? Qui croit ça? Amen. Qui croit ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui sera délivré. Il sera délivré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui et aujourd'hui. Aujourd'hui et aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La soeur est où? Elle est là. Elle doit rester ici. Merci. Qui en fait le nom? Maman vous a appelé pour dire qu'on vous bénit, mais qu'elle a la grande vérité. Non, c'est moi qui l'ai envoyé ici. Si on doit partir à Zaroko, c'est moi qui dois dire d'aller à Zaroko. Il y
Elle est partie à Zaloko sans me dire. Vous voyez un petit chéri là-bas. Viens-toi parce que elle a quelque chose que la vie. Et la chose est restée. Ça lui sert beaucoup de choses. Même sa tante, il a initié. Elle en remonte ici. Elle veut renouveler ses forces. Je peux voir, j'ai la capacité de te voir l'avenir d'une personne dans 5 ans et dans 10 ans. Effectivement, ton avenir, ça va commencer, tu vas partir par l'Italie. C'est en Italie que tu vas rentrer, tu vas partir par le qu'on appelle l'Angleterre, et tu reviendras au Canada. C'est là que tu vas séjourner et tu vas rencontrer ce monsieur. Vous savez que le diable, il attaque les gens qui sont bons. Quand tu as été visité, c'est que le diable sait que tu es important. Tu es une grande destinée. C'est tout cela qu'ils ont brouillé. C'est le bonheur là qui intéresse le diable. Dieu va te délivrer. Amen. Je déduis cette présence. J'ai maintenant beaucoup de force. Oui, beaucoup de force. Jésus-Christ te délivre maintenant. Sa puissance te libère. La puissance de mon Dieu te délivre. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Vous lâchez totalement sa vie. Et dans le nom de Jésus, lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Oui, lâche-la. 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 La puissance de Jésus-Christ te libère. Sa présence te délivre. Proclame la délivrance. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Bien que Dieu puisse vous entendre. Je sens que du côté de ta maman, quelque chose se passe. Il y a un esprit qui t'a épousé. Tu vas même faire des tentatives avec des personnes.
ça va toujours échouer. Mais Jésus est fidèle. Amen. Il va te délivrer. Amen. En libérant ta fécondité, en libérant tes finances, en libérant toute ta vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Reclame ta délivrance. Clame. Tu libères au nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Reçois maintenant même ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. 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 C'est qui toi? Laissez-moi, je vais partir. Qui es-tu? Qui oh, es-tu? Laissez-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui? Lâche-la. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Tu la libères et maintenant même. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Sa présence te libère. La puissance te libère. Lâche-la. Je l'ai épousé. Je l'ai épousé. C'est ça, c'est pas qui me l'a. C'est quoi? Ses parents qui t'ont envoyé. Qu'est-ce que tu as caché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as caché? Tu as gâté quoi dans sa vie? Son argent. Son argent. Son argent. C'est moi qui retiens ses finances. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Ah. Non, elle ne doit pas réussir. Ah bon? Elle ne doit pas réussir. Elle doit pas réussir. Et pourquoi? Non. Non. Et pourquoi? Non. Non. Non, elle ne doit pas réussir. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Non, même pour son mariage, c'est moi qui suis dedans. Je vais cacher son mariage. Non. Mais pourquoi? Depuis quand tu es rentré dans sa vie? Depuis quand? Qui es-tu? Je veux pas. Esprit des eaux. 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 Ils me l'ont donné, ils me l'ont confié. C'est moi qui la retiens. C'est moi qui la retiens. Je ne veux pas. Ah bon? Je ne veux pas. Je ne veux pas te réussir. Ah bon? C'est ce qui doit réussir. Je ne veux pas cette réussite. Je ne veux pas. Tu as gâté sa finance. Toi qui s'occupe de. Toi qui détruis son mariage. Quoi d'autre? Tu as fait quoi d'autre dans sa vie? Tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Même sa boutique qu'elle avait à Paris. C'est moi qui ai détruit. Même sa boutique. Même sa boutique. Même sa boutique. Donc tu l'as su? Oui. Partout? Oui. Je couche avec elle. Ah, tu couches avec elle. Tu couches avec elle. Et toi, tu caches sa vie. Tu vas la laisser. Voilà, tu veux la rendre pauvre. Oui. Je réfuse cette action. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Tu vas quitter sa vie. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Quitte totalement sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu vas la libérer. Libère. Lâche-la. 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 Par la puissance. Tu auras le nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. C'est moi parti. Je suis parti. Bataille!
bâtis. Le feu me brûle. Le feu me brûle. Le feu me brûle. Le feu me brûle. Comment, hein? Lâche-la. Lâche-la. Libère la mort de Jésus. Va-t'en. Lâche-moi, Patrick. Lâche-la. Va-t'en. Allez, va. Libère-la. Va. Libère-la. Au nom de Jésus. Venez là ici, s'il vous plaît. Lâche-la. Libère-la. Oui, va-t'en. Oui. Laisse son enfantement. Tu libères son enfant, tu libères. Au nom de Jésus. Oui. Lâche. Relâche. Oui, va-t'en. Je refuse au nom de Jésus. Lâche-la. Tu la libères. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Va. Va. Je ne pas. Si, va-t'en. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah.